Laissez jouer le Scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve pour une découverte et aujourd'hui c'est Speed Brawl. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mon bilan de l'année passée et bon, on y joue enfin, donc voici Speed Brawl. Alors c'est un mélange de Super Smash Bros Melee avec un côté compétitif où il faut se dépêcher d'atteindre la sortie. Donc jouable à deux, en multijoueur ou en local, donc c'est développé par Double Stagon Game et c'est un studio québécois. J'avais joué à un salon du jeu vidéo à Montréal et le jeu est vraiment excellent, je l'ai trouvé vraiment excellent et très fun à jouer. Donc c'est parti, ça commence direct avec une cinématique, donc go go go. Yeah, alright. Ok, donc c'est moi qui joue là. Double saut. Donc ça joue comme un Super Smash Bros, hein, c'est-à-dire coups spéciaux, double saut, chaque coup a une direction. Ouch. Voilà, apparemment je ne peux pas perdre. Faut que je combatte là. Ça me dash aussi. Le spécial apparemment, il y a juste un type de coup. Ouch. Quand je dis ouch, je n'ai même pas de point de vie. Alors, je sais qu'il y a une progression de personnages et d'équipements. Il est chiant lui. On peut se charger là. Et voilà, donc le but c'est d'aller le plus rapidement possible. C'est pour ça que le jeu s'appelle Speed Brawl. Donc voilà, 1 minute 26, c'était nul à chier j'imagine. Abigail, ma chère, avance et viens prendre ton prix. Le temps est venu pour toi de me rejoindre à mes côtés. Non! Ça fait un peu penser à Sensaya, son armure. Comme c'est décevant. Ah, donc là on a vu quelques-uns des personnages. Tu as vraiment classe l'intro. De nos jours, 1888, emplacement périphérique de Londres. Ok, didacticiel. Oh, il y a plein d'étapes. Alors, échappe-toi, cours, saute. Je sais ce que tu vas faire, mais toi, des éventreurs, main sur la route. Boum, 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 boum. Alors, déplacement gauche-droite, A pour le saut, X pour l'attaque de base. RB. C'est fait. Je ne serai pas toujours en mode offensif, tu le sais, n'est-ce pas? Ces petits éventuels ne sont pas trop dangereux, alors épate-toi. Épate-moi, je veux dire. Esquive quelques-unes de leurs attaques. Note qu'ils te lanceront un regard méchant lumineux avant d'attaquer. Allez, attaque. Et si tu montrais à Red un peu de flyer, donne-moi une attaque spéciale, quelque chose que tu es le seul pouvoir à faire. N'oublie pas, c'est bien de frimer, mais assure-toi d'avoir suffisamment d'endurance pour pouvoir le faire. Ah ok, deux endurance. Ok, c'est fait. Rien de tel que des actions entre coéquipiers pour faire vibrer la foule. Tu peux maintenant être à deux endroits en même temps, mais attention, ton coéquipier reste vulnérable aux attaques des tortionnaires. Alors, B pour sortir un combattant. Donc, c'est l'ultime tag. Get in here! Très bien. Les slaloms sont particulièrement populaires en ce moment. Non seulement ils permettent de cogner les tortionnaires en plein visage, mais en plus tu peux également changer de direction pour, sans pour autant perdre de la vitesse. Ce qui est essentiel pour décrocher une médaille d'or. Alors, tour de tourniquet. Tu regorges d'énergie, n'oublie pas, le monde est ton arme dans le Speed Brawl. Fais bien attention à ce qui t'entoure, un truc comme des piquets. Tu peux utiliser le mur pour infuser une attaque et te donner. Alors, frappe murale. RP, boum. Ah, ok. Ok, compris. Bien, fini de jouer. J'ai des éventeurs de premier ordre prêts à concourir. Élimine-les d'une bonne façon. Ok, c'est spécial, c'est une attaque unique. C'est pas comme dans Smash Bros où il y a un spécial avec chaque direction. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Vaincu, blablabla, bien infligé. 5 trophées de pierre, blablabla, on gagne un petit peu d'argent et du niveau de gloire. Je crois que mon intuition était bonne, nous sommes prêts pour notre premier événement. Je suis né pour ça, Bia. Bien dit, je pense que vous ferez tous les deux de bonnes figures sur la scène du Speed Brawl. Ah, quel timing parfait, et bah, il est temps que tu rencontres officiellement Red. Et Red, voici Eva. Scarfunkle, Red Scarfunkle. Ravi de te rencontrer, jeune damoiselle. Appelle-moi juste Eva. Merci pour tes conseils. Alors, c'est toi qui as entraîné Bia ? En quelque sorte, oui. Red a été mon coach à l'époque où je me battais sur les rings. Il va te montrer les ficelles du métier. C'est presque comme si c'était lui qui les avait inventés d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a l'air si vieux. De la langue bien pendue, j'aurais dû m'en douter. Bia a l'œil pour repérer les talents. Tu possèdes les bases, ça ne fait aucun doute. Mais pourquoi le Speed Brawl, mesdames? Il n'y a plus rien à gagner en boxe et il n'y a pas eu de tournoi guerrier du monde ou point d'acier depuis la guerre lunaire. Ma famille avait un avenir tout tracé pour moi, on voulait m'envoyer quelque part pour finir mes études et servir de laquais à un seigneur, mais c'est peu pour moi. Je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ok, bon, voici le menu. On peut équiper, on peut voir ses compétences, faire la campagne et faire des versus. Donc, équiper, qu'est-ce que ça donne? Ah, je me souviens de la belle époque où on avait juste à se soucier d'avoir suffisamment de sang et de sueur et de larmes. Mais maintenant, on peut acquérir toutes sortes de kits et de bazar, et pour être honnête, le choix est assez ahurissant. Tous les objets ne sont pas compatibles sur tous les combattants, alors assure-toi de bien vérifier ce que tu pourras utiliser. Ok, bon, alors, filtré par blub blub, donc des points. Alright. Ok. Ah oui, d'accord. Filtré, hop là, on équipe le bot. Filtré, et hop, on équipe la médaille. Ici, hop, il y a juste ça disponible, et hop, le bot, l'autre, voilà, et ça, j'en ai qu'un seul, tant pis. Ok, compétences. C'est ici que tu peux décider de ta progression en termes d'entraînement et de compétences. Chaque combattant a son propre style, n'oublie jamais ça. Ok, donc là, ils sont tous les deux niveau 1. Puissance, coût 0. Alors. Ok, je possède des jeux. Donc là, j'ai juste ça que je peux prendre. Là, ça coûte 1 aussi. Attaque ultime des bas consiste en un coup de pied tournoyant à tête chercheuse. Elle peut être ciblée après chaque coup. Okay. Déverrouillée. Et ici, tonnerre cyclonique. Attaque ultime de Bia déclenche une attaque tournoyante qui inflige plus de dégâts que son attaque spéciale et qui possède une plus grande portée. Voilà, donc les menus qui ne sont pas encore débloqués. Et donc, on va faire la campagne. Bienvenue dans la ville de Londres, n'est-elle pas magnifique? La reine Victoria a engagé les esprits les plus brillants du royaume pour reconstruire le pays après la guerre lunaire. Et pourtant, il est impossible de trouver un thé digne de ce nom. Enfin, c'est vrai, c'est quoi le problème? Du thé bien chaud, des scones sortis du four et de la confiture. C'est pourtant pas si dur, non? Bref, ici tu pourras choisir où aller ainsi que les événements auxquels tu souhaites participer. L'événement isolé au milieu de la carte a l'air suspect, pourquoi ne pas t'y rendre en premier? Ok, donc là on est ici, c'était le didacticiel. Ah, ok, les autres machins c'est... Ah non, il y a encore un deuxième didacticiel, entraînement avancé. On va faire ça. Prêt pour les déconseils techniques, l'expérience sera presque toujours meilleure qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais il existe néanmoins quelques points que j'aimerais aborder. Allez, on s'y va. Que tu as appris à esquiver avec un bon timing et une esquive réussie peut se transformer en une contre-attaque. À ce moment où le temps semble s'arrêter, c'est la fenêtre d'opportunité. Bien, montre-moi. Ah, tantôt, j'avais réussi à la faire deux fois. Quel moment faut appuyer? Ah, et le timing n'est pas évident. Ok. Il est temps de se pencher sur le système de coéquipier. Qui y a-t-il de mieux que d'avoir un coéquipier prêt à entrer en action? Mais fais bien attention à ce que ton coéquipier en réserve et a besoin de temps pour récupérer. Alors, Y plus B. On pète le bouton Y et B. C'est ça. Ok, voilà, la jauge vide, je pense que c'est la jauge bleue, en même temps c'est la jauge spéciale. Je vais remplir la jauge bleue. Ok, c'est pas la jauge bleue. Ok, c'est la jauge jaune de mon ami qui veut se remplir, voilà, elle est pleine maintenant. Ok, bon, let's go. Très bien, combattante. Combattant, il est grand temps de te montrer de quoi tu es capable. Lorsque tu as emmagasiné suffisamment de concentration, je veux que tu donnes tout ce que tu as. Alors, Y, voilà, le CRB, boum, 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 boum. C'était pas compliqué, j'avais déjà chargé la jauge. Si tu souhaites élever ton niveau de jeu, tu alors va dans les airs. Le combat aérien à l'air est un art subtil. Blablabla. Hop. Yeah. Alors, j'ai gagné une broche de raid. On va commencer par un retour au menu. Tiens, tiens, regarde un peu ça. Ça ne t'a pas semblé trop difficile, n'est-ce pas? Au Speed Brawl, tout réside dans l'exécution et la foule ne risque pas d'aller autre part. Alors, si on échoue, on se relève et on réessaye. C'est le style britannique. N'oublie pas de recommencer des événements afin d'obtenir de meilleurs temps et de bien meilleures récompenses. On peut obtenir de sacrés prix si on fait bien attention à tout. Ok, c'est qui brille. Alors maintenant, hop, toi, tu peux mettre ta broche. Oups. Voilà. Et la campagne, on maintenant peut faire ceci. Donc là, 3 récompenses. Bronze, argent, or. Il faut que je fasse ça en moins de 5 minutes 02 si je veux la médaille d'or. Passons au sérieux. Ok, choix du personnage. On va garder Eva pour le début. Ok, on peut changer la couleur et l'apparence. On a deux. On va prendre celle au tatouage. Et la traînée, je veux qu'elle soit jaune. Confirme. Deuxième personnage. On va prendre Bia. Apparence catcheuse. En mode brun et jaune avec une traînée et orange. Ok, c'est parti, prêt pour le combat. Start! Les choses s'annoncent bien. Nous avons été invités à participer à la Ligue Tripini de Willy Adams. Les choses sérieuses commencent. Je compte jusqu'à 3, je cours à la droite et je tape tout ce qui me regarde de travers. Puis je passe la ligne d'arrivée figée. Alors, tu vas la fermer un jour, Cassie. J'ai une ligne de speedball à faire tourner, moi, et j'ai pas besoin d'entendre tes commentaires à la noix. Tu n'es que la marionnette de Stéphane, Willy, rien de plus. Attention aux surprises, Willy est un fou. Qu'y a-t-il, les combattants? Vous ressemblez à des gens de petite vertu. Je crois qu'elle disait que tu étais un imbécile, mon frère. Oh vraiment? Vous n'êtes que des mégères. Laissez-le moi, je vais tout désinguer. Vous voulez qui parler? Bon, je sais pas si je veux faire tous les doublages. On se charge. plus la jauge de vie des mines. Allez, plus vite. Allez, c'est plus rapide encore. Regardez combien de coups je peux faire dans les airs, on peut en faire 3. Peut-être parce que c'est le combo que j'ai actuellement. Bon, première étape. Une minute 32. Ouais, ça va encore pour le 5 minutes. Ah mon dieu, je l'ai foiré. Merci, j'ai pas de temps de vie. Wow, this is Speed Brawl. Battle 2. Oh, là je les ai enchaînés. Ah, il faut que j'esquive. Ok, 1 minute 08, donc ça fait 2 minutes 40. Et hop, troisième partie. Touché. Je coupe rapide, je préfère. Allez, crève. Ah! Merde! Non, j'ai 4 minutes. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je pense. 4,48. Ouh! Trait de blessure. Et hop, niveau 2 de gloire. Et on a gagné un coffre. Avec des meilleures bottes. Deuxième coffre. Qui augmente l'attaque. Troisième coffre. Qui augmente les couleurs. Et le bazar de Willy. Retour au menu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. On est plein de surprises, Willy. Non, je voulais dire que vous avez réussi à terminer la course. Je pensais vraiment que vous alliez faire demi-tour à la vue des éventreurs. Mais vous vous prenez vraiment pour des combattantes, on dirait. Ne nous sous-estime pas, Willy. Et arrête de reluquer la jeune femme aux cheveux verts. Je ne reluquais pas. Et je dirais plutôt que ses cheveux sont de couleur canard, n'est-ce pas? Eh bah... Burke, dégage, pauvre type. Ok, donc on a débloqué une boutique. C'est ici que tu dois venir pour dépenser ton argent. Il n'y a pas grand chose pour le moment, mais tu peux tout de même vendre et acheter des équipements. Ok, bazar de Willy, des gants, des bottes, d'autres gants, d'autres bottes, des couleurs. Ok, donc là-dessus on n'a pas beaucoup d'argent. On va d'abord s'équiper des nouvelles affaires. Donc, nouveau gant. Ok, c'est pas pour toi. Pas pour eux non plus. Ok, c'est pour qui ça? Pour les bottes, oui, je peux les porter. Ok. Et ça, c'est pour... On sait pas. Personnage qui n'est pas encore débloqué. Et donc, maintenant que je suis niveau 2, j'ai un point pour tout le monde. Alors, l'attaque spéciale d'Eba a une chance d'infliger le statut empoisonné aux ennemis. Et Eba récupère de la santé lorsqu'elle touche un ennemi avec son attaque spéciale. Et celui-là aussi augmente les dégâts des attaques d'Eba lorsque sa santé est supérieure à 75%. Donc on va avec ça. Hop, ici, donc augmente la portée d'attaque spéciale de Bia, augmente la fenêtre d'opportunité des contre-attaques de Bia et ajoute la capacité des coups précis de Bia à sa contre-attaque. Pour augmenter la portée. Ok, bon, on va faire un deuxième tournoi. Ah, il y a les défis, ok. Défi slalom et puis championnat. On va faire le deuxième championnat puis après on va s'arrêter là. Eva. I will not play. Let's go. Ok, ça tous les skins de base, c'est pas grave. Alors vous êtes encore là vous deux, on va peut-être avoir une chance de pouvoir devenir intime. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Accroche-toi un peu que je te brise les doigts. Willy, qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Je joue avec ma nourriture, casse. Je te crois pas, petit salaud. C'était quoi ça? T'arrêtes, oui? Énerve-toi encore une fois, Willy. Je te jure que tu pourras manger que du liquide pendant au moins une semaine. Ne me menace pas. Bon, c'est quand qu'on fait la course. Tortionnaire, éliminez-les. Ou Polyba, Willy est un petit furieux. On n'a pas besoin que ces sbires nous portent une attention particulière. Compris au travail. Allez, j'ai pas regardé, 6, 33, 4 et 11. Oh, c'est nul. Ouais, ça c'était nul. Là. Allez! Là encore, je suis lent. Allez, réveille. Oui, vraiment lent là. Il n'y aura qu'un seul combat pour l'étape suivante. Son environnement. Le tag team est important aussi, je pense. Hi, je vais pas l'avoir, hein, le 4 minutes 11. Déjà presque 3 minutes. Super mal en fait. Ah ah ah. Ok, j'ai fait un petit peu mieux sur la dernière étape, mais 4,37. Bon, moi j'avais de l'argent. Mais il y a moyen de faire mieux, j'ai vraiment foiré mes deux premières étapes. Alors, des gants et d'autres gants. Ok, j'ai dit que je m'arrête là, mais bon, blablabla. Je vous aurai les dialogues pour vous. Donc on va équiper ce que je viens d'avoir, donc ça c'est mieux, et puis ça c'est mieux aussi, hop là. Ok, et puis j'ai envie d'avoir médaille d'or. Ok, c'est parti. Blablabla, on va passer ça. Non, enfin, foiré. Allez, bon, encore plus rapide. Ok, là j'ai été un peu plus vite. Faut vraiment commencer à charger un petit peu après le steady. Allez, push. Ouais, les mouvements sont pas. Enfin, si, ils sont fluides là. C'est ça, faut éviter de taper dans le vide. Average, moyen. Je fais un petit peu mieux, mais c'est pas suffisant. Je pense que je suis à 2,41. Ouais. Faut que je fasse moins de 2 minutes pour la dernière. Okay. think you'll find somewhere. I'll be perfect. Turn on spike. Wow. Hey. Pas le droit de m'esquiver comme ça. Là. Allez, allez, plus vite. C'est quoi ma limite pour l'avoir là? Oh! 1 seconde 766 de trop! Oh oh, les bonnes bottes! Moi je peux passer avec Start, c'est plus rapide. Ok, bon bah. Ah, on a débloqué le codex. Ok, donc ça montre tout ce qu'il y a à débloquer dans le jeu, plus ou moins. Donc voilà, pour les collectionneurs, ceux qui veulent faire le 100%. Et bah c'est le codex qu'il faut remplir. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette découverte de Speed Brawl. J'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de vous procurer le jeu également. Sachez que je ne sais pas jusqu'à quand les spéciaux ils sont pour les jeux spéciaux Québec. Donc voilà. Disponible sur Steam bien sûr, donc voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à cocher la cloche de notification et à laisser un commentaire. Quant à moi je vous dis à de prochaines aventures, ciao, bye bye.